Bah voilà, mais tout simplement. Salut mes Femax, on se retrouve avec Ellie. Salut. Pour un petit unboxing de nouvelles GoPro que moi j'ai eu. Je vais la chercher. De Activion. Activion. Activion, oui, désolé Ellie. Un peu comme son ancienne, ben ça ressemble extrêmement fortement. Parce que c'est la même. Ah d'accord. Aujourd'hui on se retrouve justement, comme vous avez compris, je pense, pour l'unboxing de ma nouvelle GoPro. Bon. Et on se retrouve à la caméra. Let's go. Donc grosse ici, 30 fps, 180p, full HD. 180p. Quoi? 1080p. Ah oh, oui, 1080p. Et on a du construit en Wi-Fi, d'accord. Les traductions, c'est hein? Oui, elle est construite en Wi-Fi. Trop bien. 5 mégapixels. Waterproof, yeah! Le case, hein, le case. Avec un case, faut pas oublier. Parce que si on met juste la GoPro sans case, ça le faut pas. Vue directe par téléphone intelligent. C'est vrai, avec l'application Activion. Application. Demande avec Activion. D'accord. En beau, le lefil, la GoPro. Mais le prochain. Oui. Ici, de ma GoPro. Ici, on a la petite batterie de Activion. Activion pour la GoPro. Ici, pour coller sur un casque ou quelque chose comme ça, ça colle. Ici, on a des notices, donc... Plein de petits trucs, hein, très, très... intéressant. Pour moi. Intéressant pour moi. Des collants, merci, tu touches pas ça à moi. C'est mes collants. Des petits stickers. Je sais même pas où il y avait. Et en fond, ben, on a... quelque chose. Ok, des applications pour Activion, voilà. Okay. Puis ici, oh ben, Eddie, je te laisse déballer parce que je sais pas comment vous Ben moi non plus, hein, d'ailleurs. Ah, super. Ben, attends, bouge pas. Attends. Essayez. Ah, il y a du scotch. Ouais, il y a du scotch. Oh oui. Il y en a d'autres, mais du scotch là-dessus. Bon. Ils se sont gâtés Activion. C'est Activion, hein? Activion. Ben, il y a un E. Oh! Oh, ok. Ma GoPro! C'est le bordel, la pointe de machine. Bon, ça se l'a. Toi, tu fais attention. L'ouvrir. Tu me laisses faire. C'est ma GoPro. Si elle voudrait bien sortir. Ah, je l'ai déposé. Ouais. Ici, on a à qu'est-ce que ça ressemble. La GoPro dans le caisse, comme je vous ai montré. Exactement la même que son ancienne que Jay a failli péter. J'enlèverai pas l'écran protecteur ici. Fait qu'ici on a. Ma GoPro! Ici on a une prise universelle. Ici on a l'emplacement pour la batterie. Ici on a les speakers. Ici on a le mode rec. Ici on a la. Voilà. L'écran ici avec protecteur ici qu'on voit ici de ne pas trop casser. Hein. Il est écrit feel off. Enfin, qu'on va ouvrir la batterie et la mettre dedans. Bon, enfin, je vais lui mettre la batterie ici. Voilà. On met la batterie. Mais là, moment où ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'elle a de la batterie dedans? Est-ce qu'elle a déjà une batterie dedans? Est-ce que la batterie. Oh boy, le son il est fort. No SD card. T'es en train de tout faire bugger mon téléphone. Ici, on a la caméra. Je te présente un peu. Donc ici, en pesant dessus le mode pendant longtemps, on peut aller voir les options. Je l'ai eu. Playback, Wi-Fi, vidéo, la photo, zoom, effet. Et là, excuse là, mais je vais t'enlever le foutu son beep là ou mettre mon... Voilà. Fait qu'on a tout plein d'informations. Donc on a le volume. Fait qu'ici, on a le volume du micro. Ici, on a le speaker. Le beep, le LED indicateur qui est beep, ici. Beep. Ouais, ça. TV out, donc si on veut le faire sortir en HDMI pour formater la mémoire. Time setting, auto LCD off, beep, brightness. Beep, beep, beep. Bref. Donc ici dedans,
Wi-Fi setting, ben tu peux le mettre le Wi-Fi. Et au setting, on a manuel, auto-stop, donc il va s'arrêter un temps pris. On a le time-lapse, qui va faire des time-lapse. On a le looping mode, qui après un certain temps, ça va recommencer. Manuel, la résolution, on a du 1080p 30fps, 960p 30fps, 720p 60fps 30fps et 480p 60fps. On a les settings de photos, donc le shooting mode. Donc on a manuel. Oh, mais arrête de faire vibrer tout. On a self timer, donc il va prendre le temps. On a du burst, je crois que vous savez des quoi. Des time-lapse photos. Et on a manuel. On a jusqu'à 5 mégapixels. On a pour zoomer jusqu'à 4 fois. On a c'est digital. On a les effets. Donc on a le FOV qu'on peut mettre en super wide, donc en grand angle. Upside down, donc si vous filmez comme ça. Ici on a le A-meter, donc où ce qui va baisser là. Fait que moi je te conseille de le mettre en centre ou en average. EV, donc c'est la lumière, donc plus 2 ou moins. Le filtre, on a plein de filtres. Red, green, I'm blue, warm. Tant qu'il serait à côté ici en rouge. On a l'effet, ben les effets, aqua, sport, night. Moi, je te conseille pas de le mettre. On a la white balance. Et on a l'ISO qui monte jusqu'à, s'il vous plaît, 1600. Et ça fait pas mal le tout. Si on pèse là-dessus, ça va passer de mode vidéo à photo. Donc c'est pas mal ça pour les thèmes que tu tiens le rouge. Ouais, exact. J'espère vraiment que ça vous a plu la vidéo. Et un grand merci à Eddie pour cette GoPro. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Oui. Et sur ce, bye!